C'est la Vendée qui a vivifié ma foi et mon engagement légitimiste. Nous sommes le seul groupe de reconstitution historique posthumé de France. Notre but était de faire connaître et comprendre au grand public l'histoire des guerres de Vendée et de la chouannerie. C'est depuis quelques temps que des jeunes viennent renforcer nos rangs et nous espérons qu'ils reprendront le flambeau de ce combat de la mémoire que nous menons depuis 20 ans. Avec la loge Souvenir de M. Delbé. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Molébri. Nous sommes là en 1820. Cette année, le 29 septembre 1820, la duchesse de Berry a mis au monde un enfant.